aider 3 questions. 2 pupilles ambitieux à devenir des experts. Apprendre à gagner de l'expérience et à choisir des bonus dans la roue des métiers, ainsi qu'à nourrir vos pupilles. Choisir, gérer, améliorer, réparer des bâtiments mobiles et découvrir des bonus de proximité. Visiter d'antiques vestiges. 3 questions. N'attendent que vous pour accomplir leur destin. Incroyable. Les pupilles sont un peuple de métamorphes, et d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, un instinct animal les a accompagnés dans chacune de leurs tâches. À l'instar de la prunelle qui se dilate naturellement dans l'obscurité, le pupille se lance sa forme se modeler, comme si son corps est la plus adaptée à la besogne à accomplir. Tout pupille a dès son premier cycle pris l'apparence du pandarou. Tous les tribus ont besoin de ramasser des ressources. La vie est une forme rassurante et familière qui rythme le quotidien. Je vais aller me reposer un peu ce soir, j'espère que avec l'ambiance sonore ça va aider. Écoute, Tantalier, merci d'être passé. Chillax bien. Bon chill à toi. Et à bientôt. Et si tu es encore en stream, quand je m'en vais, j'essaierai de penser à te raid. A plus tard. Très bien, donc certaines silhouettes. Certaines silhouettes. Restent inhabituelles et ne sont vêtues que par les aînés ou les jeunes pupilles capables de prouesses. D'autres sont si rares qu'on ne saurait dire si elles existent vraiment. Les anciens racontent que ces animaux évoluent. Ils en ont vu se raréfier pour disparaître tout en assistant à la naissance de nouveaux. Les jeunes pupilles parlent souvent, ont les cheveux de forme aux longues cornes, aussi complexes qu'un chêne en hiver. Ils mentionnent aussi des batraciens palmés capables de respirer sous l'eau. En ombre chinoise, ils s'amusent à projeter des chimères. Ils peupleront leurs rêves. Oula. Alors depuis toujours, Crack est adepte des légendes racontées le soir à la lueur du feu de camp. Chaque rassemblement, les anciens l'aperçoivent virevolter autour d'eux et puis pour les mettre de chaque histoire. Il veut devenir ingénieur. Ouais, il veut faire un bac plus 5. Il se charge des constructions. Pour devenir expert, il faut de l'expérience. Alors, il veut être autre chose qu'un petit oiseau. Et il veut devenir un toucan. L'autre a les mêmes aspirations dans son propre domaine. Il veut devenir expert dans la récolte de fruits et apprendre la fameuse recette des fruits confits de ses aînés. Il permet de sublimer le fruit en le rendant bien plus nourrissant. C'est un cercle plein d'espoir et d'ambition. Plus bien. Alors, elle est ici. Elle est donc derrière nous, c'est déjà plouf. Hein. La tribu d'ici a déjà fait une grande partie du voyage jusqu'à l'œil. Dans 2 étapes, elle sera en sécurité. Tout est déjà submergé derrière nous. Très bien. Donc là, il nous faut du bois, de la laine et de la buffe. Il nous faut un radeau. Le fleuve est long, mieux vaut emporter des poivrouilles. Très bien. Alors, la tribu a déjà un bâtiment, une bergerie. Ce dernier permet de tondre et stocker la laine des larmasses. Cette laine a divers usages comme filer des tentures, des vêtements chauds qui permettent l'isolation des bâtiments. On sert à remplir l'objectif en assignant sinon la récolte du poivrouille. Et on explore avec l'autre. Donc, si on fait tout. Lucan. Et ramasse des poivrouilles. Explore. Ah, attendez, je me suis encore emmerdé. Et c'est qu'il faut que je pense à appuyer. Alors, bien que si on récolte des poivrouilles, le stock risque de s'aménuiser. En effet, les pupilles consomment de la nourriture tous les tours. Ah. Ouais, donc là, on va tomber à manger une tombe malade et perdre la vie à chaque tour. Lorsqu'ils n'ont plus de points de vie, ils sont rappelés au souffle. Il faut donc veiller à les nourrir. Les poivrouilles sont des fruits très résistants que l'on trouve dans toute la région. C'est la nourriture de base des pupilles qui en consomment chacun 6 par jour. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Eux, c'est très juteux mais peu nourrissant. Ouais, et nous, là, on veut qu'il y ait de la boue. Alors, on vous démettait. Oulala. Ah oui, d'accord, donc d'un coup ça devient beaucoup plus bordélique. Ok, quoi comme petits animés? Bâtisseur, c'est le pingouin. Ramasseur de pierre, c'est l'espèce de. Je sais pas, on dirait un axolote. Agriculteur,
utiliser. Ok. Voici la roue des métiers d'un pupille. Elle représente toutes les formations connues. Les formes connues, pardon. Un pupille peut prendre à chaque cycle de récolte, chaque construction ou production. Un pupille gagnera des points d'expérience dans le métier qu'il exerce. Au bout d'un certain montant d'expérience, il gagnera des bonus et des compétences qui le rendront plus efficace dans ce métier. D'accord. La roue centrale représente les métiers de base. Ils peuvent se spécialiser en métier expert. A déjà accumulé beaucoup d'expérience en tant que ramasseur. Ah oui, en effet. Donc on gagne plus de trucs. On gagne plus d'expérience. Et consomme moins de bouffe. Si on a besoin de moins de nourriture que Crack, par exemple, d'accord, il pourra se spécialiser en ramasseur de fruits et se barrer d'une toute nouvelle apparence. Crack. Lui, il est plutôt bâtisseur, du coup. Très bien. Alors. Donc, ouais, une expérience de bâtisseur. Même au centre de l'œil, certains des édifices sont de son fait. La classe. Sa progression dans le métier est assurée par la construction d'un nouveau bâtiment. D'accord, donc on veut essayer de se spécialiser du coup. J'entends. Hop. Ok. J'entends. Donc lui il a quoi? Il va plus vite isoler et construire. Il répare plus vite. Il leur donne plus de vie. Et après il pourrait être un architecte. Pour les bâtiments permanents ou un ingénieur pour les bâtiments mobiles. Et je crois que lui il voulait être ingénieur hein, du coup. Très bien. Nominé. Toi tu vas là, toi tu récoltes. Ah voilà des larmes. Très amicaux, ils se sont entiers des ST de leur laine et des appuis iront se cacher pendant une averse. Ah. L'archevêque est un bâtiment mobile, et troisième année des larmes et la récolte va être fastidieuse. Heureusement c'est un bâtiment mobile. On peut être déplacé à volonté sans coût supplémentaire. Les assemblées. C'est à Crack qui revient à la tâche de réinstaller le bâtiment. Où est son menu de construction? On va dans le petit pactage. Bergerie. On met juste à côté. Ok. Beaucoup de ressources, plein de larmes pour finir la laine. Et de cette académie dans le voyage pour construire un nouveau bâtiment qui leur sera utile pour la suite. Sion a beaucoup travaillé mais il n'a pas évolué. Pokémon, attraper tous, d'accord. Il n'y a plus grand chose à apprendre dans le métier ramasseur depuis l'étape précédente. Il piétine. Il manque d'un lieu propice à son épanouissement. Carven ne permet pas d'acquérir de l'expérience au-delà d'un métier de base. Les pupilles qui travaillent stagneront et ne pourront jamais évoluer. Pour évoluer et se spécialiser, il faut un bâtiment lié au métier. Pour se spécialiser, il lui faut une ultra récolte. Pour accumuler de l'expérience dans un métier supérieur. D'accord. On va laisser construire d'abord. D'accord, donc du coup, bâtiment de récolte, il faut du bois, machine, non toi plutôt, voilà, vache du bois. Okay.
Mais tu récoltes forcément de ce plat, hein. Comment ça se passe? Ouais, donc avec ça, c'est forcément de l'abus. Bah, toi, va chercher du bois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a plein de niveaux. Ah, mais maintenant, il y a une drôle de gueule. Notification. Alors, la jauge bleue autour du prochain bonus. D'accord. Trois niveaux. Premier niveau de ramasseur de fruits. Choisissez un des bonus. C'est définitif, ce bonus sera appliqué seulement lorsque les fonctions pratiquent un métier. Premier épreuve expertise pour les fruits confits. Donc, du coup, soit je récupère beaucoup plus, soit je gagne beaucoup plus d'expérience. On va booster l'expérience, du coup. Ok. Du coup, ah, la bouffe descend très vite, hein, par contre, donc c'est quand même utile d'avoir un bourrin de la bouffe. Ah, mais Mère Nature, elle va nous casser la gueule là, non? On est en train de défoncer tous les arbres. Eh bien. Ouais, la bouffe, ça descend à une vitesse. Et on va pas faire les fous, on se dira. Ça change l'ambiance. Et merci Tantalier pour l'abonnement. Non, pas du tout, c'est pour le e-boost. Merci Tantalier. Oui, d'accord. Et Togo Mobile, il faut quand même du coup leur garder de la place. Donc c'est pas si simple que ça de balader les ressources. Ok, ok, I get it. Cassons-nous. Une forêt ancienne avec des vieux bâtiments plein d'histoire. La dernière étape avant l'œil. On arrive au bout du périple. Grâce à un grand ravin à l'aide d'une tyrolienne. C'est pas à la portée de tous. Et seul un ingénieur est capable de construire un passage sûr pour la caravane. C'est bon pour Crack de montrer ses capacités. C'est un crack. Il faut devenir ingénieur plus vite. Il nous faut donc encore de la laine, du minerai, du bois et un ingénieur donc. Très bien. Remplissez l'objectif, fermez tout le monde en sûreté à l'œil avant l'arrivée des eaux. Puissez bien où installer la caravane et déployer vos bâtiments mobiles pour récolter la laine et nourrir votre tribu avec des poudrouilles. Ok. Oh oui, non mais la map est mort. Énorme. En vrai, si c'est pas mal, je pense qu'on va s'installer là. J'espère pas faire de bêtises. Ils vont pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Il est malade. Oh bah non. Culte de récolte, il nous faut du bois. Tracez la route, les enfants. Mourir dans le tuto? Ah, non. C'est peu la récolte, hein? Même du bois. Quoi avant? Un vestige, c'est un reste des cycles précédents, une trace du passage d'une tribu de putti sur laquelle la nature a repris ses droits, explorer des vestiges pour sauver les dangereux ou très bénéfiques, on ne sera jamais ce qu'on y trouve. Signer, explorer.
prendra un truc. Bah vas-y ma gueule hein. Passe une journée à rénover ses vestiges qui est de manière évidente une scierie permanente. Très bien. Ça va nous sauver la vie ça. Et du coup tu peux revenir par la ville. On sera crevé avant hein, je crois pas. Je vais mourir putain. Chose s'est posée mollement sur le sol, alors que le pépi se disperse dans la brise. L'histoire est déjà écrite et ce n'est pas son destin. Depuis, il doit rejoindre l'œil à la fin du cycle. On voit lui la voix, recommencer le chapitre et sauver les tous. Je me suis fait avouer. J'avais pas assez de bouffe. Ah, il consomme comme des porcs, hein, par contre. Ok, on recommence en speedrun. Allez. Oui. Du coup. Ah, que là-bas, pour les lamas, quoi, ramasse, c'est tout. Voilà, mais. Député, oui, oui. Oui. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est bon, ok. Les lamas, il nous faut la scierie, on l'empacte. Là, il va nous falloir du bois parce qu'on n'aura pas assez. Ah non, c'est bon. Installe la scierie, oui, oui. On passe. Apparemment. Donc, ensuite, hein, le plan c'est de ramener du bois. Ah, à côté de la source, toi tu vas aller chercher les bois. Là du coup il faut qu'on aille récolter aussi avec lui. On peut pas. Il faut qu'on ramène de la bouffe pour le grand voyage. Le sang c'est pas mal. On va se dire que c'est bon. Avec 163 de bouffe, on devrait pouvoir le tenir le temps de récolter, j'espère. Ok, attends, on veut du bois aussi. Comme ça, on pourra construire directement le truc. Ouais, là, on est bien. Cassons-nous. Donc, on a les 80 de bois. On a 42 pierres. Mars bouffe. Le bâtiment. Encore de la bouffe. Et là normalement on sera déjà beaucoup mieux. On se barre.
Voilà. Bien. Donc la bouffe c'était bien, mais on va avancer plus. Parce que là du coup ça consomme pas de la bouffe quand on se bat dans... Ah si, ça consomme quand même. En vrai... On installe pas en vrai. Bon. Donc ça, notre... Enfin, notre constructeur, il peut faire directement la lutte de récolte en bas. Ça va aider hein. Bon. De ma gueule. Quelqu'un a troll, ouais, il y a eu des petits rigolos. Voilà, lui maintenant il peut se balader tranquille, on devrait avoir un moins léger. Les commandes, on a eu 4 personnes qui sont venues me raconter des recettes de cuisine et me parler de Trump. J'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Voilà, donc là on en est revenu où on en était, donc machin, va dans la ruine, explore. Alors il l'a rénové pour une série permanente. Voilà, donc là si on a besoin de bois, on a marre. C'est ça ce qu'on va faire. Passer le tour. Tu sais comment on fait un Romazava? Bah je sais même pas ce que c'est un Romazava, donc du coup on va aller regarder. C'est quoi un Romazava? Romazava. C'est quoi ce truc? On va pas se mentir, ça a pas l'air très ragoûtant. Hein. Nutritionnel malgache, présent également Comore, viande de, et de bread, des bread mafana. C'est quoi ouais, des bread? J'apprends plein de choses. Hein. Des bread, des feuilles comestibles, des tropicaux. D'accord. Bah écoute, bon appétit. J'espère que tu... Ok, il faut quand même pas trop qu'on traîne. Allez, va explorer toi. Faut un trouver les lamas. Ah, il a pris un niveau. Il peut avoir plus d'un PM. Ou alors consommer moins 2. En vrai, on va consommer moins 2 hein, parce que là, qu'est-ce qu'il bouffe, c'est con. Un plein bagage, je t'en prépare avec plaisir. C'est quoi ça, un nouveau vestige? Vas-y, explore le vestige. Alors, en se concentrant proche des vestiges, Crax se connecte mentalement à une entité présente dans le loin. Il y a quelqu'un de coincé sous une poutre dans ces vestiges. Il se lance à la recherche du pépite prisonnier et le trouve dans une grande salle. Il est mal au point, mais il est ravi de rejoindre notre tribu. Jour. Ici, il va rejoindre notre tribu. Un tremblement inattendu a surpris Sylve, ramasseur de sa tribu. L'Alia a détruit tous les bâtiments de son village et grava en englouti Sylve qui se croyait en sécurité en se réfugiant dans un vestige. D'ailleurs, sa série doit être quelque part sur les tables dans un état désastreux. Il aspire à devenir bûcheron. Trois, sans bien utile, construction de la tyrolienne. La tribu est maintenant composée de 3 pupilles et il y a donc une bouche de plus à nourrir. Si la récolte de soins n'est pas suffisante, son bâtiment peut être amélioré pour le rendre plus efficace. Première amélioration, afin de réduire le cycle de récolte à 2 tours. On va donc ramener des trucs plus rapidement. Bah faisons ça. Il faut de la laine. Très bien. Donc lui c'est un bûcheron.
construire notre bergerie. Lui, il peut commencer à récolter de la laine. Ah non, il faut d'abord le truc. Bon, bah, va à la série. Très bien, très bien. J'ai encore oublié de valider une commande, c'est ça? C'est ça. C'est ta gueule? Non, c'est bon. Donc on construit. Il va faire du bûcheronnage. Lui, il peut faire de la laine. Sylvie, bûcheron niveau 1. Bravo lui. 15 de bois ou plus 25 d'expérience. On va prendre l'expérience. Dès qu'on aura la laine, on améliore pour la bouffe. Ok, là on peut. Ah, c'est instant. Ça, c'est bon. Espérons. Laissez-moi deviner, il va falloir un marché là. On va avoir une mine. Ah, on explore encore, ouais. On va finir la laine. Peut-être un plan plus en vrai. Vestige, vestige, vestige. Ah. Un sanglot étouffé guide les pas de craque à l'intérieur du bâtiment abandonné. Malgré son impression de s'en rapprocher toujours plus, les couloirs se demeurent inexorablement vides, incapables d'en déterminer les sources. Il se risque à la hélée, les plans s'interrompent instantanément, une voix surprise résonne dans sa tête. Qui es-tu? Les tiens m'ont abandonné depuis si longtemps. Ils m'abandonnent toujours. Tu n'es pas différent, tu veux partir, n'est-ce pas? En effet, mon voyage n'est pas terminé. Reste plus longtemps, un peu plus longtemps. Et non. Rousseau. Après, on s'en fout, non? Bon, il nous faut un marché. Pour ça, il nous faut une bête de somme, et je crois qu'il n'y en a pas. On peut pas faire de marché. Alors, comment on fait pour le métal? Là, à moins que j'ai rien compris, c'est mort. Alors, comment on fait? Obscur. Toi, t'as déjà un milliard de trucs à prendre. Va, putain. Ah, mais si, là-bas, putain, je l'ai pas vu. Wait. Pour gamin. Il faut une mine. Une mine. On va être crack niveau temps là. Bon, 25 tours, tu me diras ça. Et ramasse le minerai. Niveau bouffe, on commence à être crack aussi. Il manque plus qu'un ingénieur. Alors comment qu'on fait? Devenir ingénieur. Il faut construire des bâtiments mobiles. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait construire comme bâtiment? C'est un paradis. Bah ouais, mais... Comment on va vous dire? Je pense qu'une deuxième mine, ça va, là? Ah ouais.
Mais non, architecte. Il y a quoi de mobile là, je comprends pas. La bergerie, c'était mobile. Et je répare la bergerie. Ça craint. Donc, niveau bouffe, hein. Ça commence. Perdu. Et en vrai, alors soit je suis crevé, soit c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Bon, écoutez, faut que j'affiche. Faut que j'affiche. Bah ça alors. Non, ma chie est tombée. Mon soleil est écrasé. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je ne sais pas. On va faire une pause.